Bon appétit si vous êtes à table. Merci d'être là. Merci de toujours regarder ce programme Dimanche avec vous, édition de ce dimanche 11 août 2019. Mesdames et messieurs, toute la grande équipe de Dimanche avec vous vous souhaite un excellent après-midi. Nous l'avons fait venir de Yaoundé pour vous. C'est un comédien humoriste. Il a beaucoup de casquettes, il a beaucoup d'autres noms. Dans tous les cas, Tadfo Salomon, si je vous dis, bon, ça ne parle pas beaucoup à certaines personnes, mais si je dis Essola, vous comprendrez immédiatement de qui je parle. Il est avec nous cet après-midi et c'est le lieu pour nous de l'accueillir à l'instant. Bon après-midi, Essola, et bienvenue à Dimanche avec Bon vous. après-midi, maman. Bon après-midi. Alors, quel est le nom qui vous arrange le plus? Essola, Salomon, Tanfo, qu'est-ce que En vous aimez le plus? fait, je suis un petit qui vient tout droit du département d'Yaoundé. Je m'appelle Tadfo Salomon. Oui. Et on sait qu'on vous appelle beaucoup plus Essola. Bon, ben, Essola, je l'accepte parce que c'est un autre nom de baptême qu'on m'a imposé. Je suis obligé de marcher avec ce nom des solars. D'accord. Et ça vous plaît comme ça? Vous êtes content? Vous êtes fier? Ou alors vous vous dites, En bon, j'accepte ça fait, comme ça. pas que ça me plaît, que ça me plaise ou pas, le public m'a donné ce nom des solars. Je suis obligé de l'admirer et puis d'aller avec ce sobriquet. Alors, Essola, comme vous le dites, et vous aimez bien cette appellation qui a pris le dessus sur tous les autres noms que vos parents vous ont donnés. Alors, la coiffure, le look, je voudrais bien qu'on commence par là. Cette barbe blanche qui est restée avec cette forme, je ne sais pas si c'est le carré, si c'est le rectangle. En C'était un. fait, vous Oui. pouvez l'appeler comme vous voulez. Bon, mais ce que je sais, il est un peu carré, un peu rectangle. Bon, laissons la barbe et parlons de l'affaire qui nous occupe là. Pourquoi on doit laisser la barbe? C'est vous Oui. qui vous montrez la barbe, pourquoi on laisse la barbe? Puisque la barbe, c'est un objet comme ça. Mais c'est une barbe qui est restée fidèle, c'est-à-dire que vous n'avez pas changé de forme depuis un certain temps. Est-ce que Oui. parce que ça permet de vous reconnaître immédiatement ou alors c'est un look que vous aviez adopté même avant de tourner ce feuilleton? Je crois que ce look m'est propre avant la tournée du feuilleton. D'accord. Donc, je l'ai admis comme ça. Et puis, bon, paraît-il qu'elle me va. Voilà, c'est venu de vous-même ou bien d'une copine Non, c'est de moi-même. de vous-même. Non, de D'accord, moi-même. ok. Ça nous rassure. Ça a été le voyage, le déplacement de Yaoundé pour ici. Oui, ça a été parce que nous sommes partis de Yaoundé sans problème jusqu'à Douala, jusqu'à l'entrée de l'Est, La là, pénétrante est. pénétrante Est, qui on m'avait déjà raconté, et puis j'avais même peur, j'ai eu peur quelquefois, que à Niassa, on ne va pas passer. Mais j'ai pris mon mal, mon courage en deux mains, et puis j'ai cru, je suis venu et je suis arrivé. Je me voici entre les mains d'Équinoxe. Merci beaucoup. Ça nous fait chaud que Tanfo Salomon, alias Cela. Essola, ça nous fait beaucoup plaisir de savoir que vous avez bravé toutes ces étapes-là du haut de vos 72 ans, parce que rappelons que vous êtes né en 1947. 47, Voilà, je ça. suis né le 12 décembre 1947 Voilà, à Bangante. ça vous fait exactement 72 ans aujourd'hui à Bangante Centre. Même si Ouais. vous avez, même si vous êtes plus jeune, hein, de près, hein, je ne sais pas comment ils vous voient à la maison, mais de près, vous faites beaucoup plus jeune. Non, en fait, je suis à côté, je suis au centre de Bangantémin. Parce que le marché, l'ancien marché Pastèque, c'est là qu'on a enterré mon cordon ombilical. D'accord. Oui. OK. Voilà. Mesdames et messieurs, ce que je veux vous dire, hein, vous savez que ça fait beaucoup d'années qu'il nous a
qu'on l'appelle Essola et qui nous a gratifié de ce feuilleton-là. Comment est-ce que ça s'était passé? Qui lui a demandé d'interpréter le rôle qui portait le nom d'Essola? Comment c'est arrivé? Ça venait de lui? C'était le réalisateur? C'est quoi véritablement l'histoire qui se cache autour de ce nom-là? À toutes les personnes qui portent le nom, parce que c'est d'abord un nom hein, qui existe, il y a beaucoup de personnes qui portent le nom d'Essola. Voici quelque chose, c'est une musique, c'est une chanson et je vous l'aime. Merci donc à tout Bête Sidonie hein, et le groupe Les Kuchuambanda pour cette belle chanson qui rendait honneur ainsi à Essola. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est cette chanson qui aurait inspiré donc tout Bête Sidonie et le groupe Kuchuambanda. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on parlait d'Essola, c'était un nom qui a traversé les frontières, qui faisait vendre le Cameroun, la comédie, l'humour et tout ce qui allait avec. Et surtout le personnage dont nous recevons cet après-midi, Tadfo Salmon, c'est son véritable nom, mais son nom de comédien, parce qu'il a interprété ce rôle, finalement il ne se sépare plus de ce nom-là, Essola, malgré les autres noms, hein, des autres rôles qu'il a eu à incarner dans certains feuilletons et dans certaines séries aussi, ce nom-là ne le quitte plus. Salmon Tanfo, madame. Tout à l'heure, on a eu du mal à vous contenir parce que lorsqu'on a envoyé la chanson, le clip Essola, immédiatement, vous avez bondi, vous vous êtes levé, vous avez commencé à danser. Oui, absolument, puisque c'est un venin qui m'est cher. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Vous êtes rentré 10 ans, 20 ans en arrière? Comment? 2 ans, pour ne pas dire 10, 20 ans. 2 ans, j'ai réagi par rapport à la chanson. Oui. Quand vous l'écoutez, vous avez le sentiment que c'est votre chanson à vous? Vraiment. Ça vous touche énormément? C'est dire que c'est au plus profond de moi-même. D'accord. Et après, dites-nous, c'est vrai qu'on va évoluer avec l'émission, mais dites-nous quand même, restons quand même dans le clip, hein, parce que les Camerounais veulent comprendre, ils veulent savoir. C'est tout Bête Sidonie qui vient vers vous. Le groupe Kuchuambanda qui vient vers vous, ou alors c'est vous qui leur avez demandé de faire cette chanson pour vous? En fait, Toubet a composé la chanson. Et puis, le jour où il fallait tourner le clip, ils ont fait appel à moi de venir participer. Je suis venu, j'ai fait tout le tour à Nobel. Et puis, bon... Il fallait tourner ça le dimanche matin. Et le dimanche, avec la population, les enfants et autres, on ne pouvait pas le faire. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai pris mon mal en patience. Il y avait la population qui sont venues vous regarder, oui. Il y avait du monde. Oui, il y avait un monde fou. Mm-hmm. Tout le quartier Nobel. Quand je suis venu, j'ai dit non, il n'y a pas de problème. Mais nous allons revoir ça en studio, c'est-à-dire lors du montage. Il y avait quelques-uns qui me comprenaient, mais moi, j'avais mon œil de technicien. Ils ont monté le premier. Ça n'avait pas été ça. Mais au second montage, je me suis impliqué. Et c'est à partir de là qu'on a sorti le clip, le clip définitif. Final. Voilà. D'accord. Dès qu'on a sorti ça, je me suis dit, bon. Qu'est-ce que vous trouvez du premier à ce second? Ils ont adopté Mehdi et puis nous avons continué le travail du montage de ce clip. Voilà. D'accord. Rappelons que le clip est sorti dans les années 93 et avant ça, le feuilleton qui passait sur la télévision nationale, L'Orphelin, passait déjà hein, peut-être quelques années avant. Alors, Essola, Tanfo Salmon,
Vous êtes né à Banganté, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, je suis né à Banganté. Banganté Centre, oui. Voilà, en 1947. Oui. Vous allez faire quand même l'école primaire là-bas, à Banganté. J'ai fait l'école primaire là-bas. J'ai également fait une petite partie de ma classe secondaire là-bas également. Parce que j'étais à cheval entre Douala et Banganté. Banganté. Oui, parce que les parents étaient justement du côté de Banganté. Surtout. Et vous aviez à l'époque votre sœur aînée du côté de Douala, Françoise, oui. Qui vit toujours et elle est du côté de Banganté. Oui. Voilà, c'est elle après que vous avez eu votre CPE qui vous demande de venir sur Douala. Oui, je suis venu à Douala et je me suis exercé parce qu'il y avait le concours d'entrée en sixième. Je suis venu à Douala. Je suis allé au collège Liberman pour faire mon entrée en sixième. Pour composer, c'était sur concours. Et composer, sur concours. Heureusement, j'ai réussi, mais il fallait, après coup, que les professeurs ramènent l'école plutôt vers les élèves. Et c'est pour cela que l'école Sacré-Cœur, le collège Sacré-Cœur, qui est aujourd'hui l'actuel Saint-Michel, ils se sont rapprochés et puis on a fait avec. Alors, est-ce que ça veut dire, Essolas, est-ce que ça veut dire que à Liberman, on a voulu vous rapprocher de votre lieu d'habitation et on a fait une sorte de transfert vers le collège Saint-Michel, qui à l'époque était Sacré-Cœur. Était le collège Sacré-Cœur. Oui, et c'est ce qui s'est passé. Oui. C'est comme ça que vous avez fait votre classe de 6e et 5e là-bas. Oui. D'accord. Mais à l'entrée de 5e, beaucoup de choses se sont passées. Lesquelles? Dites-nous. J'ai eu à partir d'ici, comme je venais de vous dire, je suis allé à Banganté. Je suis arrivé même une fois, la nuit, hein, parce que j'étais fâché. J'étais fâché de mon beau parce que quand je reviens, on me demande le résultat. Je dis, mais le résultat, c'est le patron qui doit avoir le résultat. Moi, je suis allé là-bas, ils m'ont dit de partir, que je veux avoir le résultat par le parent. J'arrive, je lui pose la question. Il était un peu sur les nerfs. Je dis, mais comment est-ce que le père peut être sur le nez? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et cela, vous parlez de quel résultat? Le bulletin de fin d'année ou bien? Non, le résultat d'entrée à la classe supérieure. Ah, d'accord, ok, parce qu'il faut bien que de temps en temps qu'on puisse se mettre d'accord. Voilà. Je n'avais pas ce document. J'ai essayé d'en parler au père. On ne vous avait pas donné ce document? En fait, on m'a dit d'aller. C'est le parent qui doit venir retirer. D'accord. Je suis venu reporter ça à mon père. Mais il n'a pas bien reçu ça. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai dû appuyer. J'ai appuyé. Et puis il m'a dit, bon, lundi, on verra ça. Il m'a dit, dimanche, lundi. J'ai dit à ma sœur que tu sais. Il me dit non. Je dis, je m'en vais rentrer à Banganté. Je ne vais même plus dans votre collège là. Je rentre à Banganté. Voilà, c'est comme ça que vous êtes rentré à Banganté, oui, rencontrer votre maman. Oui, je suis rentré à Banganté. Je suis arrivé vers les 23 heures. Hein. À l'époque, qu'est-ce qu'on prenait pour arriver comme moyen de transport? C'était le train, c'était le bus, c'était le Makemazouk. Non, c'était pas, même pas le Makemazouk.
Non. Mais on prenait la voiture Renault d'ici Bangaté. On mettait combien de temps, à l'époque? Quoi? C'était au moins 6 à 7 heures. Hein? 6 à 7 heures du temps. Ok. Oui. Il y a beaucoup de secousses, de casses aussi en route non, maintenant? Même pas de casses. Déjà que c'était même pendant la période de folie. Makiza, par-ci, par-là. Mais moi, je me suis rapproché d'un de mes camarades de classe qui travaillait dans une société de transport. Il a accepté m'amener. Mais ce jour, on arrive à quelque part sur la route de l'Ouest, à Bangou. Dès qu'on arrive là-bas, on nous dit que la maison là, elle a été brûlée la nuit dernière. Je regarde. Je rêve. Je dis, mais comment est-ce que je veux faire pour arriver et voir la main? Cette maison, c'était la vôtre? Ce n'était pas la mienne. Okay. C'était une maison dans le campement comme ça. Bon. J'ai prié Dieu. Le matin, vers 4 heures, on est venu nous réveiller. On dit, levez-vous, on va partir. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillé. Et après, on revient nous dire, dormez. Le départ, ce n'est pas maintenant. C'est comme ça que nous dormions et on attendait l'heure du départ. Nous sommes partis cette nuit-là. On est passé par Bafoussam, Banjoun, Bafoussam. Et vous êtes finalement arrivé à Bangaté. Oui. Dans de très bonnes conditions. Vous avez rencontré les parents et tout s'est bien passé. J'ai réveillé la maman vers 23 heures. Je frappe à la porte. Il dit, c'est qui? Je dis, c'est moi. Vraiment, cet homme vous avait puni. Voyez à quelle heure un enfant est dehors. Je dis, maman, ouvre-moi la porte. Elle se lève, elle m'ouvre la porte. J'entre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Je frappe à la porte, toi tu te mets encore à me gronder. Moi, je sors de Douala fâché. Parce que mon résultat ne m'a pas, même pas été donné. Comment est-ce que toi, tu peux faire des choses comme ça? Il dit, bébé, laisse bébé. D'accord. Calme-toi. Ok, vous êtes calmé donc. Oui. On va revenir sur votre parcours et sur... parce qu'après là, vous allez décider de revenir sur Douala. Oui. Vous allez faire également un travail avec vos trois autres amis. Oui. Votre premier salaire a été de 150 francs. Ah. Alors, on va revenir sur cette histoire-là. Le temps pour nous... Le temps pour salaire. Nous de, oui, 150 francs, le premier salaire de Essola à Douala. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir 150 francs? Essola, avec votre permission, nous allons prendre la rubrique de 13 travaillé. Minutes Insights. C'est maintenant. Nous avons travaillé dans là où on coulait les toitures. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances. Difficile pour Tamfo Salomon, que dis-je pour Essola, de passer inaperçu à Yaoundé. La légende. Dans la rue ou même dans le taxi, l'homme est reconnu par les populations qui se souviennent de ses prestations dans certaines séries camerounaises. Prêchons l'amour et l'unité.
qui vous rappelle quoi? Il nous rappelle son passé. N'est-ce pas, père? C'est vrai. Et son passé dit quoi? En tout cas, ça nous rappelle... Ses films, ton mari. Et comment parfois même je lui voyais la danse sur... Et vous rappelez quel rôle son service, vous rappelez quel rôle? Il a joué quel rôle? Et cela le sorcier, tout. Prêchons l'amour. Ressortissant de la région de l'Ouest, notamment du département du Ndé, Tamfo Salomon arrive dans le centre peu avant 1960. Il s'installe à Obala, précisément en 1957, et s'inscrit en classe de CM1 dans une école primaire de la place. Depuis lors, il n'a plus quitté la région du centre. L'artiste comédien, reconnaissable à sa barbe blanche, aime bien les balades. Il y a beaucoup d'embouteillages à Yaoundé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On fait ce qu'on peut. Tout simplement. Parce que vous ne pouvez pas demander à un usager de garer sa voiture pour passer. Actuellement, je vais voir mon petit. Je vais voir mon fils du côté de Messassi. Il habite là-bas. Lorsqu'après le temps vient le temps. En cette matinée ensoleillée, il va rendre visite à quelques amis et connaissances. Des proches avec qui il chemine depuis son arrivée à Yaoundé. Je l'ai connu quand j'étais encore un jeune employé. À l'époque, je travaillais à la BAO, Cameroun, Yaoundé, à la direction du crédit. En 78, j'ai acheté mon lot à Etoudi, rue Mangui. J'ai construit une case. Entre-temps, il y avait les gens qui étaient expulsés de le Madagascar, au lieu du carrière, dont M. Tanfo Salomon faisait partie des gens qui ont été déguerpis. Quand je me suis installé, moi je ne le connaissais pas du tout. J'étais tout jeune, en 78. Bon, comme c'est le voisin et qu'on est du même département, on a même créé une association qui siégeait chez lui. À l'époque, il habitait, parce qu'avec le matériel qu'il avait reçu, qu'il avait obtenu après la destruction de sa case à la carrière, il a construit une case en planche. C'est là où il hébergeait la réunion du Ndé, quartier Mangui. Né en décembre 1947 à Baganté, Tamfo Salomon est très vite piqué par le virus du cinéma. Tamfo Salomon, c'est un produit du département du Ndé qui, depuis les années 63, a commencé par se plaire dans les images, c'est-à-dire le cinéma. Donc, c'est un petit qui, depuis ces années-là, a commencé à s'intéresser à l'objet théâtral. Ouais. Et puis, bon, quand je suis venu ici, j'ai eu la chance de voir un parent qui, par son biais, organisait un stage d'art dramatique. Puis je me suis intéressé. On nous a appelés au centre culturel camerounais, actuel centre culturel.
On nous a appelés là-bas, on nous a auditionnés. Et puis, chemin faisant, on a un peu suspendu la séance. Bon, le stage, pour moi, était un stage vraiment d'art dramatique. Et puis, il me fallait à tout prix m'intéresser. Quand donc je me suis intéressé, dans les années 63, je me suis intéressé vraiment dans l'objet du théâtre. Et ce parrain dont j'ai fait allusion tout à l'heure, c'était Igor Zambia, qui en ce moment nous venait tout droit de la rue Blanche. Ambroise Mbia est donc celui qui donne sa chance à Tamfo Salomon. Mais son premier véritable rôle, il le joue dans le feuilleton à succès L'Orphelin, diffusé dans les années 90 sur les antennes de la télévision nationale. C'est pour chanter les souffrances de la terre. Et Sola, c'est le personnage qu'il incarne. Il avoue avoir accepté de jouer ce rôle après avoir écouté l'un des titres de l'artiste musicien Abdou Benito, choisi comme générique pour accompagner le feuilleton. J'ai joué L'Orphelin après avoir suivi la chanson. Comment on expliquait le scénario à Abdou Benito. J'ai dit bon, ok. Quand tout ce qu'on chantait dans L'Orphelin, et moi, j'étais proche. Pourquoi? Parce que vraiment, il fallait me rapprocher de ce bloc-là. C'est pour ça que dans L'Orphelin, vous aviez vu comment j'ai pu évoluer. Dans la plupart des temps, le rôle que je joue dans plusieurs de mes films, c'est le réalisateur qui me dit « Bon, je te confie tes rôles. Quitte à toi, tu t'arranges à me le rendre bien. » Quand je lui demande s'il a confiance à ma prestation, il me dit oui. J'ai dit bon, ok. Maintenant, je m'y lance. Je fais mes études d'art dramatique, je les rapproche. Je rapproche également le savoir de ce metteur, de ce réalisateur. Et à ça, j'ajoute mon petit savoir. J'ai choisi de faire le ballet là-bas également. Mais la technique du ballet de l'ensemble national n'a pas été proche de ce que Koutchouan Banda faisait. J'ai donc pris sur moi de conseiller le meneur du groupe, de lui dire que ceci est bien, ceci n'est pas bien, ceci est bien. C'est ce que nous avons fait comme travail de montage avec Koutchouan Banda. Vous gardez toujours... Je garde toujours une bonne relation avec Koutchouan Banda parce que de temps à autre, je fais deux fois des émissions, des invitations avec Tobet Sidoni, qui est l'auteur de Esola de Koutchouan Banda. Le succès que connaît Esola contraste malheureusement avec ses déboires au plan familial. Car depuis les années 70, Tamfo Salomon a perdu son épouse et est devenu veuf. Pour surmonter la douleur de cette épreuve, les proches et amis de Sola gardent de bons souvenirs de sa défunte épouse. Moi, je le considère comme mon père. Parce que sa défunte épouse était ma mère aussi. Je peux vous dire qu'on s'aimait plus que même
les parents du même père, les enfants du même père, parce que nous étions, on s'entendait parfaitement, son épouse et la mienne, de sorte que mon premier enfant, c'est elle qui l'a amené à l'hôpital. Je suis rentré de service à midi, parce qu'à l'époque nous travaillons deux fois à la Biao. Je suis rentré à midi, j'ai trouvé que son épouse avait déjà accompagné ma femme à l'hôpital de Toudi. Elle est restée à côté d'elle. À 18h, j'ai attendu, je suis reparti à Toudi. Elle était tout avec elle, malheureusement, elle n'avait pas encore accouché. C'est jusqu'à 22h qu'elle m'a demandé de la transférer à l'hôpital central, puisque là-bas à Toudi, les sœurs s'occupaient beaucoup plus de leur prière. C'est à 22h qu'elle a assisté ma femme qui a donné notre premier enfant. Comédien confirmé, star incontestable, Tamfo Salomon, alias Esola, affirme cependant qu'il a du mal à vivre de son art. Comme beaucoup de ses collègues artistes, il fait les frais de la crise qui secoue le domaine du droit d'auteur au Cameroun. Je ne vis pas de mon art, sauf les mécènes qui, par moment, peut-être me croisent là-bas en route, et puis me disent, mais comment, c'est vous qui avez joué le rôle de l'orphelin, des soldats dans l'orphelin. Je leur dis oui. Il dit, mais vraiment, je vous ai cherché. Deux fois, il me donne l'argent d'une bière, et puis je leur tire un coup de chapeau. C'est tout. Je ne peux pas dire que je vis de mon art parce que déjà au droit d'auteur même, on ne les touche pas régulièrement. Les droits d'auteur et droits voisins, bon, c'est là, mais est-ce que l'artiste vit de son art au Cameroun? Je dirais non. Je dirais non. De la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. C'était dans le 13 minutes Inside. Merci à Rodrigue, merci à Marcelin Ganson, à Cyril. Ce sont nos collègues du côté de Yaoundé qui ont assuré véritablement ce reportage. Tamfo Salomon, alias Esola, vous avez regardé ça, ce reportage. Vous avez reconnu des personnes, des visages? Oui. Je tire un coup de chapeau à Rodrigue. Ah, d'accord. Rodrigue Seignassa ou quoi? C'est le caméraman qui vous a accompagné. Oui, oui. Ouais. Oui. D'accord. Merci Rodrigue. D'accord. Ok, donc on a essayé de voir Esola, Tamfo Salomon, sous un autre jour, en dehors de ce plateau bien entendu, et des téléfilms comme on a l'habitude de le voir. On vous a vu dans un taxi. Où est passée votre voiture? Je n'ai pas de voiture. Ça veut dire quoi Esola? Moi je vais à pied, madame. Un grand comédien de votre moi, état. Moi je vais à pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce que je fais. Et tous les matins. Oui. Vous dites que vous ne vivez pas de votre art. Je ne vis pas de mon art. Jamais. Quel est ce comédien qui peut vous mentir qui vit de son art au Cameroun? Vous vivez de quoi donc? Je dirais merci à tous les médecins qui, de gauche à droite, me dépannent avec leur dernier tiré. Avec les soit deux. Leur dernier tiré. Je veux parler de 500 francs, de 100 francs, qui me donnent comme ça. Et puis ils me disent, bravo mon cher. C'est ça, c'est de ça que je vis. Bon, excusez-moi, Esola. D'accord. Pour dire quoi, vous ne faites pas, vous n'avez pas une activité. C'est vrai que vous avez l'âge de la retraite, 72 je ans. N'ai c'est pas, je n'ai pas vous d'autres. Êtes à la retraite ou bien est-ce que votre profession vous permet d'aller à la retraite? Vous pouvez accepter de jouer, de tourner certains rôles encore? Je suis à la retraite, bien sûr. Mais je vous assure une fois de plus que je ne vis pas de mon art.
Donc vous restez à la maison, c'est vos enfants qui prennent soin de vous. Bon, les enfants, ils prennent soin de moi. Des fois, ils me disent, papa, quand ça les plaît, ils me disent, papa, tu vas manger. Je dis, oui, allô. S'il y a quelque chose à manger, donne-moi, je veux manger. C'est comme ça. Bon, ok. On va y revenir. C'était pour sortir du INSA, on va y revenir. Vous allez nous dire avec combien de personnes vous vivez à la maison. Est-ce que c'est vrai qu'on a suivi dans le reportage et on le sait aussi que votre épouse est décédée en 1999, ça fait plus de 20 ans. Ça fait 20 ans exactement aujourd'hui. Oui. Avec qui vous vivez à la maison? Je vis avec mes enfants. Je vis rien qu'avec mes enfants. Ok, d'accord. On va vous poser certaines questions côté jardin dans quelques instants. Mais revenons bien sûr sur votre premier boulot à Douala, parce qu'avant d'aller prendre cet élément, on était à ce niveau-là. Vous avez fait le génie civil. Hein? Oui. En fait, génie civil, c'est des maçons. C'est ceux qui dressent les maisons dans lesquels nous habitons. D'accord. Vous êtes arrivé à Douala, vous avez avec trois de vos amis. Oui. Il y en a deux qui sont décédés aujourd'hui. Oui. Vous avez fait un travail comme ça. Racontez-nous cette histoire. Il y a Mathieu et Emmanuel. Bon, ils sont déjà partis à l'au-delà, malheureusement. Alors, il y avait une maison en construction. Il y avait une case en construction. Maison à étage. Il fallait couler la dalle. D'accord. Je suis venu parce que je voulais gagner un peu d'argent. On m'occupe, on me dit, c'est autant de brouettes de sable, tant brouettes, nombre de brouettes de papa. Et vous allez mélanger tout ça, vous allez nous tournait le béton. On a tourné le béton. Tenez-vous tranquille. Jusqu'au soir, hein, la nuit tombante, on vient, on dit, bon, ceux qui s'occupaient de tel machin, que sont ceux qui ont tourné ce béton? Je montre mon doigt, moi, monsieur. Dis-toi. Mets-toi de ce côté, je me mets là-bas. À la fin, le banquier sort 150 francs, 3 pièces de 50 francs. Il remet entre mes mains, j'avais les mains comme ça, il me remet là. 150. Je dis, mais c'est tout. On me dit, oui, rentrez chez vous. 150 francs. Il faut dire que vous ne c'était pas pour vous seul. Hein? Nous étions à trois. Pour dans les 150 francs. Ça veut dire 50 francs chacun. Oui. Toute une journée. Après avoir tourné combien de sacs de ciment? Quatre boîtes de sable, un sac de ciment. Vous pouvez vous imaginer, madame. Un sac de ciment prend quatre brouettes de sable. De sable, brouette fin, brouette gravier et tout ça. Alors il fallait tourner ça, tourner jusqu'à la nuit tombante. On vient, on me donne 3 pièces de 50 francs. Voilà. Et il fallait se le partager. Donc, moi-même, je n'avais même rien. Vous aviez 50 francs? J'ai donné 50 à d'autres. Et puis, je suis resté même vide. N'avais même plus rien. Mais vous étiez trois. Oui. C'est-à-dire 50-50 par personne. Vous avez remis votre 50 francs à quelqu'un d'autre? Oui, mais il fallait rentrer chez nous. Comment faire pour rentrer chez nous? Il fallait aller à pied. Nous avons cheminé, jusqu'à arriver à la maison. Je sors mes 50 francs, je dis
à ma belle-sœur que... Mais vous avez quand même vos 50 francs dans vos poches? Oui. Ah d'accord, ok. Je donne mes 50 francs à ma belle-sœur. Il me dit, Nyoni, je dis, oui maman, c'est quoi ça? Qui t'a donné de l'argent? Je dis, maman, depuis le matin, nous sommes partis dans le chantier là, on nous a embauchés là-bas. Et le soir, on te donne 50 francs. Je dis, on était à trois, on nous a donné trois pièces de 50 francs. J'ai remis à Emmanuel 50 francs, à Mathieu 50 francs. Moi-même, j'ai gardé 50 francs. Mm-hmm. Voilà mes 50 francs. Tous les deux décédés aujourd'hui. Tous les deux, paix à leurs âmes. D'accord. Qui se reposent en paix. Nous-mêmes, c'est le chemin de tout le monde. Mm-hmm. Nous-mêmes, on attend aussi notre dernier jour. On ne sait pas quand. Mais Dieu seul qui est là-bas, percé là-bas, on te voit, on te prie, on te demande de nous donner encore un peu de temps. Un peu de ton temps, Seigneur. Et sur ce, je veux tirer un coup de chapeau à toutes les majestés du nez. Majesté, je ne vous ai pas oublié. C'est mille et un problèmes qui me tracasse. D'accord, ok. Vous avez donné vos 50 francs à votre maman à la maison. À la maman. Oui, et elle, elle vous a répondu? Elle a pris. Puis, bon, le matin, elle devait nous faire la savate avec. Là. Elle devait nous faire... La salade. La petite poupée. La petite popote. Ah, d'accord, ok. Voilà. Bon. Merci, elle-même est déjà à l'au-delà. Mm-hmm. Adieu, Nkango. Adieu, adieu, maman. Voilà. Et tout s'est bien passé. Tout s'était bien passé. Le lendemain, vous êtes retourné au chantier? Non. Oui, je ne suis plus parti. Pourquoi? Souffrir. Mais est-ce qu'on payait normalement, on payait combien à l'époque? Vous pensez que ce monsieur était de mauvaise foi? Ce monsieur était de mauvaise foi, madame. Ils auraient dû vous donner combien? Ils pouvaient même me donner même 200 francs. D'accord. Par personne. Mais je dis que le travail qu'on a fait là-bas, et les moumoutes, et les moustiques, et tout ça, nous avons supporté. Mm-hmm. Mais à la fin, ils nous donnent 50 francs pièce, par personne. Mais c'était méchant. C'est bon. C'est comme ça que vous avez boycotté le travail, vous n'êtes pas allé le jour suivant. Non. Vous arrivez. On va parler maintenant d'un autre boulot que vous avez eu, c'était la PZ. Oui, c'était la PZ. Après, je suis allé à la PZ sur concours, parce qu'il y avait un tuteur. Il y avait un tuteur. Et puis, il m'encadrait beaucoup. Dès qu'il a appris qu'il y a concours à tel test à tel endroit, il m'envoyait là-bas. C'est comme ça que je suis allé là-bas. J'ai fait mon test. J'ai été réussi. J'ai réussi à ce test. Mais, il m'a dit, mon frère, tu as réussi sur deux tests. Mais j'ai du mal à choisir dans le commerce. Parce que le commerce, tu ne vas pas vite passer à la catégorie supérieure. Comment, papa? Il dit non. Comme je t'ai dit là. Mais le résultat va sortir. Tu vas aller là-bas. Je suis allé à la PZ. La PZ m'a ouvert les portes. Je suis allé, j'ai pris le service. Après avoir pris le service, à la fin du mois, on m'appelle.
pour vous donner 11 000. Pour toucher mon salaire mensuel, qui était de 11 722 francs. Il dit, mais comment? Ça, c'est la malchance ou quoi? Comment on peut me donner 11 722 francs pour un mois de travail? J'ai dit non, je ne peux pas. Vous n'avez pas négocié le salaire non, avant? On n'a pas négocié. Vous êtes aussi allé comme ça là. Qu'avec ces gens, tu le voyais? Rappelons que c'était les Anglais. Oui, c'était les Anglais, bon, les Français, les Grecs et tout ça. Mais est-ce que tu avais l'occasion de les voir? Tu ne pouvais même pas t'approcher. Bon. Vous aurez pu quand même vous exprimer, c'est-à-dire que vous aurez pu parler à la personne par qui vous êtes entré dans cette entreprise. Je lui ai parlé de ça le lendemain, après avoir reçu les 11 722 francs. Il m'a dit, mais Salomon, ce n'est pas vrai. Mais demain, tu vas repartir là-bas. Je veux voir ce monsieur-là. Je veux voir le directeur. Il a dit, oui, patron. N'est-ce pas? Il repart là-bas et voit le patron. Non. Ça a duré près d'une semaine. Une semaine durant. Après la semaine, on m'a fait venir. Je suis reparti. Et je sors, je dis, bon, patron, je suis venu toucher mon salaire. Tous les arrangements sous câble-là, c'était déjà passé avec mon patron et puis le directeur du patron, le directeur d'entreprise. Bon, ce soir, il me dit, mais Salomon, je dis, oui, patron, je dis, bon, je te donne cet argent et je ne coupe rien. Il m'a donné les 11 722 francs. J'ai pris, j'ai mis dans la poche. Je regarde comme ça. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai emballé l'argent là, j'ai mis dans ma poche. Je suis sorti, je suis parti. Vous n'êtes plus reparti? Non, le lendemain, je suis revenu. Puisque je suis allé rendre compte à mon tuteur. Mon tuteur, je suis allé lui rendre compte. Il m'a dit, continue mon frère. Continue. D'accord. Ok. Après cela, naturellement, hein, le travail va connaître un terme. Vous êtes allé des problèmes à un moment donné, vous êtes arrangé. Oui. Il y a eu augmentation de salaire. Vous êtes passé de 11 000 à 18 000. Après, au sorti de là, vous étiez déjà à 25 000. Non, c'est que ça avait trop d'embûches, madame. C'est comme ça que vous avez fini par laisser ce boulot. On va parler justement de cette belle rencontre que vous avez eue, cette dame-là, sur qui vous êtes tombée, qui a bien voulu vous inscrire par rapport à l'art dramatique, celle-là qui vous a accompagné, celle-là qui vous a soutenu à sa manière. Mais le temps pour nous, qui vient de nous offrir cette belle musique, qui encourage les personnes à travailler, travailler, bosser dur hein, pour gagner leur vie au lieu de voler, au lieu de faire des choses vraiment pas catholiques pour pouvoir avoir gagné leur vie. Merci encore Dany Mouna qui va nous revenir tout à l'heure avec une autre chanson. Le temps pour nous de continuer naturellement notre émission avec Esola Tanfo Salomon. Ça vous arrive des fois? Merci Daniel. Dany Mouna, Esola te dit merci. Voilà, ça vous arrive souvent de danser Esola? Oui. Ouh, je danse, hein, madame. Vous dansez très bien. Quel rythme, vous aimez quel rythme, par exemple? Je danse pas le mangambe, parce que le mangambe, on va dire que c'est villageois. Je danse du full stop. Du full stop? Oui. C'est quoi le full stop? Vous dansez le full stop? Un, deux,
il y a 1, 2, 3, 4, 5, vous bloquez, et puis vous passez au suivant. Voilà. C'est quoi le full, c'est ça le full stop? Oui. C'est le rythme que vous aimez bien? J'aime bien ça. J'aime la valse aussi. Mm-hmm. J'aime la valse, j'aime le rock. Le rock. Le rock en rock. Ah, vous êtes un grand rocker. Ah, yeah, yeah. J'aime bien la danse. D'accord, ok. On aura le temps de voir ça tout à l'heure sur la piste de danse. Le temps maintenant, on revient sur cette histoire. Elisabeth, cette dame anglaise que vous avez eu à rencontrer. Oui, Elisabeth, c'est une gracieuse qui m'est venue tout droit de Londres, là-bas. Elle est venue ici. Elle nous a supervisé le stage d'art dramatique. Et puis, dedans, elle avait porté le choix sur moi. Parce que pendant ce stage, je me suis fait remarquer. Et puis vraiment, elle ne faisait pas des cadeaux. Elle avait des photos avec moi. Elle a fait des photos avec moi. Et elle a amené même ses photos en France. Bon, arrivé là-bas, il y avait un stage d'art dramatique. Mais elle avait porté son choix sur moi. Quand nous partons de là-bas, quand je rentre à la maison après le stage, le résultat revient ici au Cameroun pour sur la liste. La liste portait le nom de ceux qui doivent être en stage là-bas. Mon nom y était, bien sûr. Mais mon ami, qui n'était même pas mon ami, mais il était mon ami, parmi mes amis. Son père était au perché là-bas, à la sûreté nationale. Déjà, je devais buter sur le passeport et autres. Bon, cette histoire de passeport et autres, ça passe. Chez lui, c'était un jeu de tournement. Bon, il est donc appelé, on a demandé que les stagiaires rentrent, viennent suivre le stage. Lui, son père l'a envoyé. Je l'ai porté sur ma mobylette, ma moto bécane. À l'époque? Pour l'aéroport. Je l'ai déposé là-bas. Il s'est envolé. Une semaine après, ça a commencé à bouder là-bas. Il n'était pas le gars choisi par Elisabeth. Mais après, il me dit, Elisabeth me dit, bon, je veux voir ça, laisse. Je reste tranquille. Mais quand le stage a repris là-bas. Lui, il n'allait plus fréquemment à l'école, au stage. Mais madame s'est rendue compte que c'était un nom frauduleux qu'on avait glissé sur la liste. Je reste ici. Madame m'envoie les correspondances et me dit, ne te gêne pas. Je veux voir au prochain tour. Voilà que pendant que j'attends, mon ami suit déjà, en fait, il est supposé suivre le stage de formation là-bas, en Europe. Mais
Hélas. Madame, je vous assure qu'il a fait plus de 8 ans là-bas. Plus de 8 ans. Mais il est rentré zéro. Zéro tout rond. D'accord. Et finalement, Elisabeth vous a fait partie ou pas? Il m'a pas fait partie parce que, entre-temps, les adresses, c'était les mettre à la poste, attendre que ça arrive en France et puis qu'on réponde et tout ça. Et c'est les choses que vous n'avez pas su maîtriser. Je n'ai pas su maîtriser parce que je ne connaissais pas. Voilà, c'est comme ça que vous avez perdu cette opportunité-là. Oui. Mais bon, parlons maintenant de ce feuilleton qui vous a porté au devant de la scène. Rappelons que c'était le tout premier pour vous qui portait le nom de l'orphelin. Oui. Et il y avait le personnage, il y avait Mbita, les rôles Mbita, oui, qui était là, qui était l'orphelin. Qui était l'orphelin, c'était votre neveu dans le... Vous étiez son oncle? J'étais son oncle. Voilà. Le nom est Sola. Dites-nous maintenant comment est-ce que c'est arrivé. C'est vrai qu'on en a parlé un peu dans le INSA, mais maintenant, racontez-nous cette histoire. Qui vous a donné le rôle? C'est le réalisateur qui m'a donné ce nom. Il s'appelait comment à l'époque? Il s'appelait comment? Il s'appelait le pasteur. Il s'appelle toujours. Il s'appelle. Puisqu'il vit toujours. Pasteur Ndamba Eboa. Voilà. Et il était en service à la télévision nationale. Voilà. Il était en service à la CRTV. À la CRTV. Mm-hmm. Et puis, un soir, il m'a appelé. Il me dit, Salomon, est-ce que tu peux me jouer ce rôle? Je lui dis, raconte-moi, pasteur. Dès qu'il m'a raconté l'histoire de l'orphelin, moi qui venais tout frais d'être orphelin, je me suis saisi de la chose. J'ai dit, bon, je peux te jouer ça. Voilà, ça vous a parlé, vous vous êtes retrouvé oui. dans ce rôle-là. Il m'a parlé, et puis... Ça a fait un tour dans ma tête. J'ai dit, pasteur, ne te gêne pas. Je crois qu'il doit même être en train de me suivre à Koningi parce qu'il habite le quartier Koningi. Pasteur Ndamba me dit, bon, je te confie ce rôle. Mais chaque soir, lors du groupement, le rassemblement des acteurs, il faut, si tu as quelque chose à me poser comme question, tu me la poses. J'ai dit, d'accord, pasteur. Je suis parti chez moi. Et par rapport aux explications de pasteur à Abdou Benito. Mm-hmm. Parce que Abdou Benito, c'est celui qui a écrit la qui chanson a écrit, voilà. et qui habillait justement ce feuilleton. Voilà. Lorsque je lève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Voilà. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Voilà. Donc, nous qui avons connu cette vie-là, je me dis, mais comment? Moi, je veux jouer ça. Je veux jouer ce rôle-là. Et je verrai ce que Esola aura à me rapprocher. Mm-hmm. Bon, qu'il repose en paix, hein? Ça, c'est le cas de le dire, Abdou Benito. Oui, Abdou Benito, mm-hmm. qui se repose en paix. Mm-hmm. Parce qu'il est décédé aujourd'hui. Il est décédé mm-hmm. à une semaine du spectacle qu'on avait prévu à Maroua. D'accord. Il est mort une semaine avant. Bon, mais je me dis quand même que dans la langue, c'est des choses. Et cela, je l'ai réussi grâce à l'entourage. Quel entourage? Parce que il y avait dans l'entourage mes amis, comédiens. Mm-hmm. Et puis d'autres qui n'étaient même pas des francs comédiens, mais qui me rapportaient les échos
D'après dire, il m'a rapporté ça. Mm-hmm. Bon, à la fin, quand je racontais ça à Pasteur Ndamba, il disait, c'est bien, c'est bien, c'est bien. D'accord. Continue. Et cela, est-ce qu'avant cela, on avait testé quelqu'un d'autre avec ce rôle-là? Paraît-il, mais s'il avait même été testé, c'était en sourdine, sous cachette. Mm-hmm. Ce n'était pas officiel où on nous regroupe tout et puis on dit, bon, tel va jouer le tel rôle, l'autre va jouer tel rôle. Donc personne n'avait essayé ce rôle-là avant vous? Peut-être. Mais vous n'êtes pas, si c'est le cas, vous n'êtes pas au courant de ça? Je ne suis pas au courant. Ok, d'accord. Maintenant, vous avez tellement bien interprété le rôle. Est-ce que vous êtes un sorcier, cela? Ah, madame, si vous voulez m'appeler sorcier, veuillez me l'appeler. Mais, de prime abord, je ne suis pas sorcier. J'ai fait mon travail, un point, trois traits, barre. Est-ce que vous êtes un méchant? Est-ce que vous êtes une personne méchante, comme on le dit? Vous considérez que vous êtes personne méchante en vrai? Du tout pas. C'est quand je suis la chanson. Nous chantons pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère. Ah, merde. Et ce que je voyais mes oncles et tantes faire autour de moi, non, c'était à désirer. Et ça, et dans tout ça, je suis appelé à être méchant, même sans le vouloir. Là, ça vous a aidé à bien interpréter votre rôle. Oui. Toute la méchanceté qui était faite autour de vous après le décès de votre père. Oui. Est-ce que vous êtes allé voir vos oncles là pour leur dire merci parce qu'ils vous ont plutôt aidé à faire quelque chose? Mes oncles, je les ai dit merci. Sur plusieurs formes. J'ai dit merci à certains de mes oncles en les aidant dans les travaux de chant. À d'autres, je les ai dit merci tout en portant ce qu'ils ne pouvaient pas porter. D'accord. C'était un mal pour un bien, parce qu'ils voulaient vous faire du mal, mais ça se retournait. Vous avez su capitaliser ça pour en faire quelque chose qui vous a aidé à une certaine époque. Oui. Alors, maintenant, il y a un rôle. Les Camerounais hein, de cette époque-là se souviennent quand même de cet épisode où vous disiez, je vais dire ça comme ça, Mbita, je te tue, avec cause ou sans cause. Alors là, quand s'est arrivé le problème de Mbita, vraiment, madame, je voulais tuer cet enfant. C'est pour ça que j'ai juré sur l'étoile que je te tue avec cause ou sans cause. Ça voulait dire quoi, Isola? Cause ou sans cause? Cause, tu es châtié. Sans cause, tu risques de ne pas être châtié. Mais je te tue avec cause ou sans cause. Ce Mbita-là. Oui. Il est en Australie, comment est-ce qu'on appelle? Il est au Canada. Oui, il n'est plus au Cameroun. Oui. Il est de l'autre côté maintenant. Vous avez gardé de bonnes relations? Oui. De temps en temps, il m'appelle et puis il me dit bonjour. Alors, puisque vous interprétiez à l'époque le rôle de méchant, est-ce que après, c'est-à-dire hors écran, ça se retournait contre vous? Est-ce qu'il n'y a pas des histoires liées, que vous avez vécues liées à ça, des personnes qui étaient méchantes avec vous? Non, ça ne vous a pas bloqué, empêché? Parce qu'on connaît certaines personnes qui ont eu à interpréter des rôles, des personnages moi, pas bonnes, et ça les suit, même après... Après le feuilleton, quoi. Bon, mais les gens ont compris que ce n'était qu'un rôle que je jouais. Donc, pour votre cas, ça ne vous a pas emmerdé, ça ne vous a pas dérangé. Pas du vous tout. N'êtes pas passé à côté de certaines choses parce que vous avez joué le rôle d'un méchant personnage? Non. À ça, je dis non. Ils m'ont porté. C'était cela, m'a porté.
plutôt vers la gloire, pour ne pas dire vers de mauvais côté, vers la gloire. Alors, ce rôle des Sola, parce que c'est ça qui vous a fabriqué, c'était un coup d'essai, un coup de maître. Voilà. C'était votre premier rôle, votre première série, et puis c'est parti. Dites-nous un peu, à l'époque, vous aviez la grosse tête? Même pas. Même pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas de grosse tête. Ma tête reste la même, hein. Elle n'est pas trop débordante, mais elle reste la même. D'accord, vous aviez la tête sur les épaules. Voilà, sur mes épaules. D'accord, ok. Vous avez quand même eu beaucoup d'argent. Rappelons que pendant les tournages, hein, vous aviez droit à un certain montant par semaine. Ouh. C'était 20, on nous a parlé de 25 000. J'ai eu dire qu'on vous donnait 25 000. C'est Madame, vrai ou c'est faux? On nous donnait 20 000 francs à la fin de la semaine de travail. À la fin de la semaine du travail. On vous donnait 20 000. Et le tournage, vous prenez combien de temps, par combien de jours par semaine? Bon, deux fois, quatre, cinq jours. Et c'était toute la journée? Oui. Matin jusqu'au soir? Oui. Et ça a duré un an de tournage? Et on revenait le soir, hein. On revenait le soir pour les critiques et autres. Le débriefing. D'accord. Oui. Et on vous donnait 20 000 francs par semaine. Et le tournage, c'était à la fin d'une semaine. À la fin d'une semaine. Oui. Donc ça veut dire que le lundi, on ne vous donnait rien, mardi, rien. Et c'était le dimanche qu'on vous donnait de l'argent? On vous donnait soit le samedi. Le samedi. Vous rentrez. D'accord. Ici. Et à la fin du mois, plus rien? Rien du tout. Donc c'était ça votre paye. Donc on va dire 80 000 francs le mois. Voilà. Voilà. Mais vous ne vous êtes pas plaint? Mais c'était, on ne s'est pas plaint. On devait se plaindre où, madame? C'était suffisant, vous pensez? C'est... Pas du tout. Me voici, moi, actuellement. Quand je donne 30 000 francs à mes enfants, ils rient de moi. Je dis 30 000 pour une semaine. Ils rient de moi. Les 30 000 là, vous les prenez où, puisque vous dites que vous, ne, vous, n'avez, vous n'êtes pas en activité? Bon, grâce à mes différents médecins. Ah, d'accord. Qui sont éparpillés quelque part dans la République. D'accord. Et je leur tire, je profite pour tirer un coup de chapeau. Ils ne cessent de me délaisser à moi-même. C'est-à-dire que à celui-ci, il va me donner 500 francs. L'autre va me donner 1000 francs. Et c'est comme ça. Cette petite somme économisée, je donne aux enfants pour s'abreuver avec. D'accord. Alors, quel est que sera le souvenir heureux que vous avez eu pendant et après le tournage de cette série Isola? Oui, mes souvenirs heureux, c'est d'avoir perdu mon épouse pendant ce tournage. C'est malheureux plutôt. C'est malheureux. D'accord. Mais heureux, c'est ce qui se continue jusqu'à présent. D'accord. Votre épouse Françoise? Elle s'appelait Jacqueline. Jacqueline, c'était Chaconte. Chaconte, voilà. Oui. Chaconte, Jacqueline, décédée en 1999. Oui. Ça fait 20 ans oui. qu'elle est partie. Alors, vous n'avez pas eu envie de refaire votre vie? En fait, envie de refaire ma vie, ce serait une vie médiocre et bête. La vie amoureuse, bien entendu. Ah, la vie amoureuse. Laissons-la à côté. Vous n'êtes pas un homme, vous n'avez pas un cœur, et cela? Je suis un homme, j'ai un cœur, madame. Oui, pourquoi vous voulez mettre cette vie amoureuse de côté alors que vous êtes un homme normal avec un cœur? Moi, cette vie amoureuse, appelons-la comme ça. Mais laissons-la suivre son petit bout de chemin. D'accord, ok. Et calmons-nous. D'accord. Et cela? Maman. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Merci de m'appeler maman, ça me touche.
Ça fait 20 ans aujourd'hui qu'elle est partie, votre épouse. Oui. Vous n'avez pas eu envie de vous mettre avec une autre femme? Je préfère dire ça comme ça. Je préfère encore... Qu'on la mette de côté? Qu'on la mette de côté. Vous avez arrêté de fonctionner, comme on dit? Non, je module un peu mes enfants. Est-ce que ça vous empêche? Ça vous empêche de... Ça ne m'empêche pas, mais seulement, à dire vrai, le mariage et moi, ça n'a plus de place. Ça n'a plus de place, mais vous n'êtes pas obligé de vous marier pour vivre avec une femme sans pourtant l'épouser. Non. Vous êtes vraiment... Viens, on va passer la nuit, ce n'est pas dans mon jargon. D'accord. Donc depuis le décès de votre épouse, vous êtes resté comme ça? Je suis resté comme ça. Vous n'avez plus... Je baisse mes enfants, c'est tout. Et vous ne faites plus rien? La vie pour vous s'est arrêtée? Elle s'est arrêtée parce qu'elle a voulu s'arrêter. D'accord, ok. Et cela, après le décès de votre femme, une autre femme, vous êtes un homme public, vous êtes un acteur, vous êtes célèbre, vous appelez Essola. Une femme ne vous a pas encore dragué? Ils m'ont dragué, madame. Mais peut-être qu'elle n'a pas su me draguer. Pour vous draguer, qu'est-ce qu'il faut? Comment est-ce qu'on doit vous draguer? En fait, j'ai ma philosophie à moi qui m'est secrète. Vous ne voulez pas partager avec nous? Ça peut aider d'autres personnes, non? En fait, ceux qui aujourd'hui perdent leur épouse et demain cherchent d'autres, il y en a plein dans le monde. Mais ce n'est pas dit que le jour où vous avez choisi votre propre époux, ce même jour reviendra demain pour vous permettre de choisir d'autres. Non. Ok, d'accord. Pour bien vous draguer, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, me draguer ou le dire ici devant l'antenne d'Equinox, ne me draguez pas. Sachez une chose. Nous avons les enfants qui sont de la protection du Seigneur. Berçons-les, calmons-les, et puis vous aurez, comme qui dirait, la bénédiction du Seigneur. D'accord. Et cela nous apprend qu'il est resté fidèle jusqu'à maintenant, après le décès de son épouse. Oui. C'est pour sa mémoire? Pour sa mémoire. Ça, c'est ce que vous dites, hein? Je mets tout ce que je dis, tout ce que je fais à son ultime, en fait, à son appréciation. Parce que je ne peux pas vous dire que ce qui se passe à l'au-delà, je peux le savoir. Mais ce que je vis là, je crois que tout le monde m'entend. J'ai juste besoin d'un petit peu pour vivre, pour acheter mon remède et le remède de mes enfants. Vous n'avez pas besoin de la compagnie féminine? Non. Masser vos pieds, le dos? Le dos et les pieds, ils sont en place. Je peux me les masser moi-même. C'est ça. Ok, on a compris Essola. Oui. Merci beaucoup, mais vous avez quand même été jeune. Hein? Une petite question coquine avant de prendre le meilleur de la télévision. Oui. Je rappelle qu'on va prendre le MTV. Il y a Dany Mouna qui est encore là, qui va nous offrir notre chanson. Vous avez quand même, avant votre épouse, eu des relations avec des femmes, non? Votre première rencontre, amour, c'était à quel âge? J'ai eu des relations avec des filles, mais... Parmi ces filles, il y avait des filles, hein, avec les F majuscules, c'est-à-dire qui se permettaient de me cacher tout. C'est-à-dire? Tout ce que ces femmes avaient, ils me les cachaient.
D'autres mêmes avaient déjà des enfants. Mais quand ils s'approchent de moi, ils me disent non, je n'ai ni enfant ni rien. C'est quand je fais un saut dans ce canton-là qu'on me dit, est-ce que tu connais telle personne? Voilà son enfant. Tu connais telle fille? Oui. On dit, voilà ses enfants. Quand je rentre donc de ce voyage, je rentre chez moi. Je me mets à réfléchir, à résigner dessus. Je dis non, le monde ici, il est méchant. C'est comme ça que vous mettez fin à la relation? Je dis non. Oui, madame. Qu'est-ce qui vous a dérangé, le mensonge ou bien si vous avez dit avant le que, mensonge. Si vous avez dit avant qu'elle avait des enfants, vous oui, avez accepté? Ça pouvait m'arranger parce que elle pouvait me mentir comme ça et me dire la vérité quelque part. Pourquoi donc me mentir? Par amour aussi, hein, les femmes disent que parfois c'est par amour, non, par peur de vous perdre aussi. Et ça s'arrange à vous le dire. Elle pouvait après encore me dire, mon cher, je t'ai dit que je n'ai pas des enfants, mais moi j'ai un enfant. D'accord, ok. Voilà. On va parler, vous allez nous donner hein, votre point de vue par rapport à la comédie, l'humour aujourd'hui, ce qui s'est fait aujourd'hui et ce qui s'est fait à votre temps, à votre époque. Le parallèle, il est important hein, pour que nous essayons de voir parce qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas nés lorsque vous aviez commencé à faire de la comédie, à faire à jouer des rôles, à être acteur. Mais il est important aussi, hein, et cela, de revenir sur certains aspects de votre vie. Vous avez été à Akonolinga. Oui. Là, c'était au tribunal des sorciers. J'étais au tribunal à Akonolinga, où le pasteur m'a amené voir comment se passe le tribunal des sorciers. Parce que ce qui se fait le jour et ce qu'on fait dans la nuit, madame, c'est deux mondes différents. Quand il m'a présenté ces messieurs, quand j'ai assisté au tribunal et que j'ai suivi la sentence prononcé par le procureur, par le président du tribunal. Des sorciers. Des sorciers. Je suis sorti de là-bas. Ah, Dieu seul sait comment il m'a contrôlé. Parce que ce jour, j'allais tout casser si je voyais même un bulldozer devant moi. Qu'est-ce que vous aviez vu? Il décrit comment il a fait du mal à telle ou telle personne. L'un des accusés. L'un des accusés. Et puis, il demande fièrement au tribunal de le pardonner. Il dit comment il a fait du mal, il a fait quoi? Il a tué, il a pris dit, la, oui, les femmes de son voisin. Mais moi, il y a telle personne qui ne marche pas bien, qui a le pied tordu. Mais, à tout cela, je demande pardon. C'est tout. Hein. Je leur demande de me pardonner. Il a cassé les pieds. Il y a des gens un enfant. Un enfant. Oui. Il en a tué d'autres. Non, tué. Il s'est réservé. Mais il dit que vraiment, pour tout ce que j'ai pu faire, veuillez me pardonner. Et dans ce tribunal-là, il y avait combien de personnes? Ils étaient nombreux? C'était des tribunaux, vraiment, des tribunaux, madame, secrets. Vous ne pouvez pas passer là-bas à n'importe quel moment. Dès que vous passez, vous voyez, ils ouvrent les yeux, ils écarquillent seulement les yeux, vous fuyez. Vous fuyez. Est-ce qu'ils ont des accoutrements différents ou bien c'est des personnes à vue d'œil comme ça, simple? En fait, les accoutrements, je ne peux pas le savoir.
quand quelqu'un se présente devant moi, il suffit qu'il ait mains et pieds. Je dis que c'est une personne. Mais quand il faut aller peut-être dans leur secte là-bas, c'est un peu plus que moi. Pourquoi le pasteur vous a amené là-bas, dans Baïboa? C'est bien lui. Il m'a amené pour que je voie comment les sorciers agissent. Parce que les sorciers, ils agissent pas comme nous, hein, mais ils nous maîtrisent. C'était pour vous aider à mieux jouer votre rôle de sorcier. Tout simplement. Vous n'avez pas pris goût. On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Et cela, votre caméra est là. Les Camerounais et tout le monde entier, hein, toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, on dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Est-ce qu'à force de tutoyer les sorciers, de leur fréquenter, d'interpréter des rôles de sorciers, de tuer des gens, de faire ci et ça, je condamne personnellement cet acte odieux qu'est la sorcellerie. La sorcellerie, non, elle ne pourra jamais faire route avec vous. Quand on dit que tu es sorcier, ça veut dire que tu as au moins 10 yeux par rapport à moi qui n'a que 2 yeux. Ça veut dire que tu en as plein. Est-ce que les sorciers, entre guillemets, hein, à un moment donné, ne vous ont pas approché pour dire « Essola, tu as le truc, comme on dit, de façon triviale, on peut t'initier, on peut t'aider, on peut t'accompagner ?» Non, en fait, pour moi, comme je le dis et comme j'insiste à le dire, ne faites jamais route ensemble avec les sorciers. D'accord. Merci Essola. On marque un autre arrêt maintenant. On prend le meilleur de la télévision. Le MTV, mesdames et messieurs, c'est maintenant. La langue est le premier élément par lequel on identifie les membres d'une communauté. Chez les peuples autochtones, elle se meurt du fait des influences extérieures. Comme nous sommes un peu mélangés avec d'autres tribus, les enfants apprennent aussi des langues des voisins. Et il y a des mariages qui s'installent aussi avec des voisins. Les enfants qui devaient naître typiquement autochtones sont à moitié, 50% autochtones, 50% non autochtones. Pénétrante est de la ville de Douala, le ministre Nganou Djoumessi effectue une descente sur le terrain après le calvaire décrié par des usagers de la nationale numéro 3 en chantier. Face à l'entreprise en charge des travaux, le patron des travaux publics veut comprendre le système de travail mis en place. Est-ce que vous devez faire les terrassements en saison des pluies? Et la réponse est simple. Dans la saison pluie, on ne fait pas les travaux de terrassement. Terrassement, c'est-à-dire des blés et remblés, on ne l'a pas fait. Ici, c'est la deuxième point. Ici, c'est une déviation. Quand on casse cette route, c'est les camions, les véhicules, ils devaient passer cette déviation. Voici Gangsaou, une localité située à 50 km de Ngaoundéré, dans la région de la Damawa. Ce village de près de 10 000 âmes dispose d'un centre de santé intégré qui fait face à de nombreuses insuffisances qui rendent difficile la prise en charge des malades. Il n'y a même pas de lumière, c'est vrai qu'on a quand même une plaque qui fonctionne peut-être jusqu'à 19h-20h, ça s'éteint. Raison pour laquelle vous avez vu dans les salles qu'il y a des lampes tempêtes auxquelles on fait recours au moment où la lampe, la plaque solaire nous lâche. C'est juste un petit truc qu'on a pu acheter pour pouvoir alimenter un peu le centre. 16 défenses d'éléphants saisies entre les mains d'un présumé trafiquant de Koti à Douala. Le suspect, cet homme âgé de 50 ans, est tombé entre les mailles des filets de la 2e compagnie de la gendarmerie nationale. Pendant nos patrouilles nocturnes, nous avons interpellé M. Boudouma Benoît, âgé de 50 ans, au niveau de Dokoti, en possession de 16 défenses d'éléphants. Pendant l'exploitation, il ressort qu'un ami
lui aurait apporté ça depuis Bertois pour qu'il trouve un preneur ici dans la ville de Douala. Voici ce à quoi sont confrontées au quotidien les populations de Foumbot dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Les automobilistes sont pris au piège des bourbiers géants. Ce gros porteur, par exemple, à en croire des témoins, a passé 3 jours au même endroit. On ne sait même pas quand on va sortir. Voyez-vous même les états de la route. On ne sait même pas à quelle heure on va sortir. Voilà le pain qu'on a chargé dans la voiture pour aller livrer. Voilà l'état de la route. Regarde, le camion s'y a fait 3 jours ici, là, à cause de l'état de la route. C'est comme si le gouvernement a abandonné ce côté. Regardez aussi dans le Noun. Ça, c'est une route centrale de Massanga. Regardez, même la moto, ça les dépasse. Combien de fois la voiture? Regardez. Et ça, c'est normal, ça. Non, ce n'est pas vous qui devez expliquer, monsieur. Vous devez surveiller ce qui se passe. Le conducteur, lui, c'est le conducteur des travaux qui dit qu'est-ce qu'il doit faire. Et quand c'est approuvé, votre rôle, c'est de surveiller. Vous ne devez pas vous substituer à l'entreprise, monsieur, et que ça cesse. Vous êtes mission de contrôle ou vous êtes chef d'entreprise? Bon Dieu! Le pourcentage des femmes qui accouchent dans des formations sanitaires des régions septentrionales et de l'Est Cameroun reste faible jusqu'ici. Le pourcentage des femmes qui accouchent dans des formations sanitaires des régions septentrionales et de l'Est Cameroun reste faible jusqu'ici. Les difficultés que nous avons, c'est que les femmes accouchent encore à domicile. Elles ne se rendent pas dans les formations sanitaires. Du cause parfois de la distance et du manque de moyens financiers. Et puis disponibilité des ambulances qui vont aller dans les zones les plus reculées, prendre ces femmes-là en travail pour les ramener dans les formations sanitaires. Voilà, merci donc à l'ensemble du service de la rédaction d'Equinox Télévision pour le travail abattu en semaine. Je rappelle que Landry Mann, notre peintre, est en train de faire une belle peinture sur notre invité de cet après-midi, Tadfo Salomon, alias Essola, comédien de nationalité camerounaise. Il nous a rejoint maintenant, le temps de demander à Essola qui a bien regardé les images avant d'accueillir Dany Mouna. Essola. D'accord. Je suis perdu. Oui, il est en train de regarder le travail que Landry Mann est en train de faire. Celui, à un moment donné, on va vous présenter le tableau Essola. D'accord, maman. Voilà. Donc, on voudrait avoir votre point de vue par rapport à... Qui est point de vue, maman? Écris là, tu me donnes. Vous voulez quoi? Non, je dis pour... Voilà, vous avez besoin d'un contact, c'est ça? Oui. Ok. Quel contact? Pour... ok. Alors... oui, ça va arriver, Tadfo Salomon, ça va arriver. Donc, on était en train de demander votre point de vue, parce que vous avez vu des images tout à l'heure. Oui. Il y en a une qui a attiré votre attention. Vous étiez en train de dire quelque chose là par rapport à l'image de la route qui n'était pas très bonne. Non, en fait, l'image de la route, ce sont nos images, c'est nos routes, c'est nous qui partageons ces routes. C'est comme celle de la pénétration est. Là. Pénétrante est. Pénétrante est. Si on ne savait pas, est-ce qu'on jauge deux fois? Parce que il y a 6 mois, quand je suis venu ici, je suis passé par là, par Niala. Le danger qu'il y avait là-bas. Moi-même, j'ai croisé les bras comme ça. J'ai dit, les gens vont mourir. Je vous assure. Mais tu voyais juste les cargos venir. Voilà. Ok. Merci Essola pour votre commentaire. On va accueillir Dany Mouna. Pour ceux qui ont pris l'émission au début, vous avez vu la prestation du jeune artiste Dany Mouna. Bon après-midi et merci de nous avoir retrouvés sur ce plateau, Dany.
Dassala à tous les musulmans d'abord, bon après-midi, au studio et à tous ceux qui nous regardent par le monde. Voilà, demain sera férié, hein. Demain c'est lundi, c'est férié, c'est connu. Ah, je ne sais pas trop, mais c'est vous qui l'avez dit. C'est férié, c'est férié. Voilà. C'est férié, chômé, payé, sur toute l'étendue du territoire. Ah, d'accord. Voilà, donc tu peux dormir tranquille demain jusqu'à. Déjà, j'ai toujours été mon propre patron, donc je travaille quand je veux. Et puis quand je veux pas, je suis à la maison. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle déjà je n'ai pas été trop au courant que tu n'es pas trop concerné par ça, quoi. C'est pas ton problème là-bas. Voilà. Donc ça n'impacte pas sur toi, quoi. Alors, Dany Mouna, ça va la musique au Cameroun? Déjà, je tenais à dire que j'ai retiré mon chapeau parce que je suis assis à côté d'un papa qui nous a beaucoup fait rêver. C'est un papa que j'ai toujours vu, mais jamais assis comme ça avec lui. C'est un honneur pour moi. Et en ce qui concerne la musique au Cameroun, vous savez, j'ai souvent pas l'habitude de parler des choses que je ne maîtrise pas de fond en comble. Moi, je sais que je chante et que je nourris ma petite famille de par la musique que je fais. Donc, on a certainement des problèmes de droits d'auteur et d'autres choses, mais nous sommes arrivés dans la musique hier. Et nous devons éviter de trop mêler nos bouches dans des choses que nous ne maîtrisons pas beaucoup. D'accord. Parce que nous n'avons pas déjà trouvé les droits d'auteur sur place. Donc, à vouloir toujours parler comme si on en savait beaucoup, parfois, ça nous porte préjudice. D'accord. Mais je pense que si je regarde mon corps devant cet écran et quand je marche en route, je sens que le peu que Dieu me donne, je vais bien. Parce que, pour vous dire la vérité, Estelle, il en faut peu pour être heureux. D'accord. Dany Mouna, qui écrit vos chansons? Et je suis le seul qui compose et qui écrit mes chansons pour le moment. Mais je suis ouvert à tout ce qui peut me donner des idées. Voilà. Tu vas nous proposer quoi maintenant? Le titre, c'est « Fais danser ton Dieu ». Mais avant d'aller chanter, je vous demanderai vraiment une doléance de saluer certaines personnes, parce que c'est des gens que je porte beaucoup à cœur. Déjà, je salue mon futur producteur, le banquier du pape, un homme de parole, un homme qui m'a beaucoup soutenu dans des moments compliqués et qui a décidé de me produire. Il est en Espagne. Je te salue, grand frère. Je salue l'association des artistes Pongo Bakoko, une association qui a été mise sur pied par Dina Michou, notre grand frère. Nous avons organisé une association des artistes Pongo Bakoko pour essayer de subvenir aux problèmes des artistes et que nous essayons de marcher, de cheminer ensemble. D'accord. Voilà. Et je tenais encore à vous dire merci, Estelle Maël, vous qui me portez particulièrement à cœur, présent Darol, et à tous les Camerounais, tous les êtres humains qui soutiennent Dany. Et aussi à ceux qui ne m'aiment pas. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Dany Mouna, et à très bientôt. Et cela qui applaudit, hein, pour Dany Mouna. Bravo. Donc, Dany Mouna, une autre prestation, et cela veut vraiment danser. Mais bon, il va danser sur place, il ne pourra pas être sur le plateau. Oui. Parce qu'il dit, j'ai envie de danser. Et le père a 72 ans. Je serais très content de le voir danser, oui, déjà, parce que c'est un papa qui nous a fait beaucoup, 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 beaucoup de bonheur, de plaisir. En ce moment, j'étais au village, j'étais tout petit. On regardait constamment ce fêton. On courait pour aller. Il faut dire la vérité, c'est que à l'époque, on n'aimait pas cela du tout, parce qu'on n'avait pas la faculté de distinction entre la réalité et les faits du cinéma. Donc, on le prenait comme un méchant qui voulait tuer une bita. Et puis, depuis ce jour, on ne l'a pas aimé jusqu'à ce qu'on a su ce que c'était le cinéma. Donc, grand coup de chapeau à notre papa. Vraiment vivement que les jeunes qui commencent suivent vos pas. D'accord. Voilà. Merci Dany. On va juger maintenant le maçon au pied du mur. Dany Mouna qui va faire danser son Dieu le mieux. Voilà, bon, il a choisi des parties maintenant. Bon, d'accord, Dany Mouna. Alors, en attendant qu'il se positionne de l'autre côté, là, Tanfo Salomon, on est en train de vous faire un magnifique portrait. Hein. Ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, vous l'aurez. Vous allez certainement repartir tout à l'heure sur Yaoundé avec votre portrait. Bon, pour ceux qui n'ont pas souvent eu l'occasion de voir Essola dans ses feuilletons, dans les films, voici un extrait que nous vous proposons à l'instant.
Voilà, Essola, il n'a pas que fait Essola, il a fait d'autres séries, il a fait des films, il a fait pas mal. Il a interprété beaucoup d'autres rôles, hein, mais seulement Essola, lui, est resté lui colle à la peau comme un tatou, mais bon. Voici dans l'élément. Allez, c'est plaisant de toujours voir Essola, Tanfo Salomon, dans ses multiples séries. Et là, vous incarniez le rôle du procureur de la République. Procureur de la République. Voilà. Et vous aviez quel nom là, dites aux personnes qui nous regardent. Procureur de la République. Là, c'était le procureur, tout court. Oui. Il n'y avait pas un autre nom à ajouter. Non. D'accord. Voilà, vous avez essayé de dépeindre ce problème d'opération épervier. Mm-hmm. On parle de 250 milliards. Détourné, on estime que c'est petit. Ces gens, il faut les couper vivants. Ils voulaient? Il faut les couper vivants. Les qui? Ceux qui détournent de l'argent. Là. Vous avez vu l'autre, la pénitence est là. Comment il s'appelait encore? Ou c'est Wafo ou qui là? Qui a fait quoi? Il a détourné de l'argent sur cette pénétrance-là. On jouait avec eux là tout à l'heure. J'ai suivi un peu leur tribunal. On jouait avec eux. Mais moi, je te coupe. Vous coupez quelqu'un, un être humain vivant? Non, je dis non, je mets fin à tes fonctions. Mais là, vous n'êtes plus dans le théâtre. Hein. Ça, en vrai, vous êtes en vrai. Non, en vrai. Mm-hmm. En vrai. Mm-hmm. Je mets fin à tes fonctions. Tu ne vas plus recommencer demain. Et vous ne l'envoyez pas en prison, non? En prison. Ceux qui sont en prison, est-ce qu'ils ne mangent pas? Ils mangent. Ils reçoivent les gens avec leur bière rosée. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Donc pour vous, quand quelqu'un a détourné, qu'est-ce qu'on doit faire? Non. On le met à côté, on le suspend de ses fonctions. D'accord. Ok. On le limoge, Oui. On le suspend de ses fonctions et c'est tout. C'est tout. On ne cherche pas à récupérer l'argent. Non. L'argent, s'il faut récupérer. Mmh. On a commencé à récupérer pour qui? Vous avez suivi la femme dire non. Mmh. Qu'on a volé plus de 200 milliards. Mm-hmm. Mais ces gens-là sont en paix. Ils sont tout le temps là-bas dehors pour en liberté. Voilà. Mm-hmm. Et que 250 milliards c'est que son mari a détourné, c'était vraiment trop petit. Voilà. Il y a la suite, hein. Il y a la suite de cet élément parce que ce n'est pas tout. On va reproposer encore la suite aux téléspectateurs parce qu'il est question pour ces personnes qui nous regardent en ce moment de savoir qui est véritablement Essola à travers vos œuvres. Et je dois répondre parce que il y en a qui disaient il faut qu'on nous ressorte un extrait de la série L'Orphelin. On a bien voulu, mais malheureusement, on a cherché sur tous les sites et ça n'existe plus, très chers téléspectateurs. Voilà, donc on a fouillé sur YouTube, on a demandé même à Essola, on a demandé à quelques personnes aussi qui ont joué dans ces séries-là. Est-ce que vous avez encore des images? Voilà, ça remet au goût du jour la banque des archives. Voilà, parce que s'il y en avait, on devait vous les proposer. Je crois que cette histoire devait être trouver une solution au niveau de la CRTV. Parce que si les gars étaient sérieux, bon, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, quand les gens trafiquent n'importe comment, ils se disent, bon, ok, on a fait quoi, Jean? D'accord, on a quand même quelques images que nous allons vous proposer encore hein, au cours de ce programme. Et cela pourra également faire aussi quelques petites notes hein, de comédie sur ce plateau, pourquoi pas, parce que un artiste, un comédien, c'est quelqu'un qui est toujours prêt. On lui a demandé de réfléchir sur une petite note qu'il va vous proposer comme ça en live, mesdames et messieurs. Donc, en attendant, voici donc Danny Mouna dans cette autre prestation scénique sur le plateau B de votre programme, Dimanche avec vous.
Merci, merci encore, merci, Dani Mouna. Comment est-ce qu'on fait danser son Dieu? Dani Mouna nous a dit que c'est en posant des actes bons, en évitant de faire du mal à son prochain. C'est en priant le Seigneur, c'est en allant à l'église, en prêchant pour ce qui est bon, qu'on fait danser son Dieu. Ça, c'est la version de Dani. Et surtout quand tu dis merci mon Dieu, là, si tu peux enlever ta casquette en ce moment, tu mets ici. Puis tu danses, et puis après tu... D'accord. Merci pour les conseils, Dani Mouna dit merci pour les conseils du patriarche. Et cela, alors, on va vous proposer tout de suite, et maintenant, mesdames et messieurs, un autre élément qui concerne notre invité de cet après-midi en action, Tom Fossalmon, alias Esola. Et Esola, Tantfo? Il a pris. Il a pris. Vous voyez, quand quelqu'un bégaye pour donner une réponse à une question, il est dangereux. D'accord, rappelons que c'était c'est une scène, hein, c'est ça, oui, c'est un feuilleton. Oui, bon. C'est pas Martin Poulbé qui a pris cet argent, dont ils sont tous en plein boulot. Voilà. En vrai, c'est pas ça du tout. Il imitait quelqu'un. Mais il était dans le rôle. Mais la personne a volé de l'argent. La personne avait pris de l'argent. Mmh. C'est ce que vous dites. Alors, tant que faussement, notre programme tire déjà vers la fin. Alors, s'il fallait recommencer votre vie, vous avez 72 ans aujourd'hui, c'est une grâce, c'est une chance, parce que nombreuses sont des personnes qui n'ont pas pu avoir cet âge-là. Alors, s'il fallait refaire votre vie, deviez-vous emprunter le même chemin? Non, je pourrais changer. Je veux changer. Qu'est-ce que vous avez? C'est-à-dire qu'au lieu de faire la comédie, je préférerais faire autre chose qui pourra m'apporter de l'argent immédiatement. Pour dire quoi? La comédie vous a rendu célèbre? Ça m'a rendu célèbre, mais célèbre dans le néant. Dans le néant? Néant, c'est-à-dire? Parce que je ne vois pas qu'est-ce que ça me rapporte. Ça vous donne ce que ça vous donne. Oui, ça, c'est de l'honneur que j'ai. Oui. Mais en dehors de l'honneur, j'ai quoi en plus? Vous n'avez rien eu. Rien? Vous avez eu six magnifiques enfants. Mais six enfants. Trois filles, trois garçons. Oui, mais est-ce que c'est... Vous avez eu une belle femme qui malheureusement est partie. Et votre problème, c'est l'argent, c'est ça? C'est l'argent. Il faut avoir de l'argent pour entretenir ses enfants. Mais il y en a qui font le même métier que vous, mais qui ont beaucoup d'argent. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas su tirer votre épingle du jeu? À ceux-là, leur chance. À moi, ma petite malchance. Est-ce que vous n'accusez pas, vous n'avez pas des accusations par rapport à la créature? Non, je ne sais pas, parce que si les choses se faisaient normalement, vous devez bénéficier quand même de certains, certains droits. Bon, mais... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est que, bon, nos droits d'acteur, nos droits d'auteur sont où? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas payés. Mmh. Bon, me voici dans une chaîne de télévision. Qu'on me prenne là pour que je puisse dresser ne serait-ce que ces cordes. Mmh. Ce ne serait pas facile. Non, à de votre me prendre. Âge. Non, à votre âge, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Voilà. Alors, donc, pour vous, c'était bien, mais ce que vous déplorez, c'est le manque d'argent. Ça ne vous a pas donné l'argent. C'est ça. Du tout. Maintenant, la jeune génération qui arrive. La jeune génération, c'est. Je leur conseillerais de ne pas être trop pressés. Mmh. Et d'être toujours, en fait, pas être pressé, mais être trop vigilant. D'accord. Et quand vous regardez les jeunes acteurs aujourd'hui? Les acteurs aujourd'hui vont vite en besogne. Ils n'ont pas le temps d'apprendre. Mm-hmm. Mais ils s'y mettent et puis un point entre. Vous avez refait votre toit parce qu'on a eu dire que la pluie, à un moment donné, avait arraché... Oui, oh, mon toit.
Actuellement, j'ai une toiture neuve. Tout simplement parce que elle est neuve, parce que beaucoup des parents me sont venus en aide. Donc de vous-même, vous n'aurez rien pu? Je n'aurais rien fait. D'accord. Il y a Mintumba, qui est réalisateur de cinéma, disons ça comme ça. De cinéma, qui m'a envoyé 100 000. Quand vous avez perdu votre toit, oui. Quand votre toiture, votre toit s'est arraché, voilà. Par le il vent. Il y a eu également lui, il y a eu également, il y a eu également. Il y a eu qui d'autre? Tichou. Pardon? Il y a eu. Matafen, qui est venu à moi, il m'a donné 100 000 francs, il a dit pas chez moi, il m'a donné 100 000, bon avec les 200 000, j'ai refait la toiture. Donc ce n'est que les deux personnes là qui me sont venues en aide, le reste, mais les autres, parce que peut-être les autres n'étaient pas au courant. Je ne sais pas, bon maintenant qu'ils sont au courant, ils peuvent se manifester par mon numéro de téléphone. D'accord, ok. Est-ce que vous avez... réponds au 677-74-38-08. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose aujourd'hui? C'est-à-dire que vous dites que vous êtes là, vous avez un peu d'énergie, vous n'avez pas besoin d'une femme pour vous masser le dos, masser les genoux. Non. Est-ce que vous, si on vous, vous avez envie de faire quelque chose qui puisse vous donner de l'argent, vous avez envie de l'argent pour les productions, pour si, dites-nous un peu quelque chose. J'ai besoin juste de cet argent. Pour faire quoi? Pour mes propres enfants, les encadrer par rapport à ça. Et j'ai besoin de l'argent pour gérer tout ce qui peut être géré à mon petit niveau de vie. Oui, pour manger les problèmes quotidiens. Voilà. Le petit déjeuner, le dîner le soir. Voilà. C'est de ça que vous. C'est ce dont vous avez besoin pour l'instant. Oui. Vous pouvez pas, mais vous avez envie de faire un groupe de théâtre, un groupe de. Non, si je pouvais faire un groupe de théâtre. Actuellement, là, c'est un peu dépassé. Genre encadrement des jeunes, quoi. Oui, mais je peux les encadrer, mais dire que je peux les réunir pour les nourrir et autres, non. Comme un groupe, vraiment, je ne peux plus. Vous pouvez le faire aussi dans l'optique de vous, c'est-à-dire de travailler et puis on vous accompagne financièrement pour, et que ça puisse générer de l'argent. Ça, absolument, c'est important pour ça. Absolument. Si je trouve un genre de travail, bon, je le fais. Vous connaissez Daniel Ndo? Oui. Oncle Otama? Oui. C'est quoi la nature de votre relation? En fait, Daniel, c'est un camarade depuis l'enfance. Nous avons commencé tout petit. On a même pu mettre sur pied un groupe de théâtre qui devait générer de l'argent. Bon. Et entre nous, on a dit, bon, toi, tu prends les finances, l'autre prend ceci, l'autre prend cela. Mais ça n'a pas mis longtemps parce que les 5 francs d'hier ne sera plus retrouvé au même endroit demain. Mais il y a des détournements. Voilà, de fonds. Donc c'est un peu ça. Si un de vos enfants, puisque vous en avez 6, 3 garçons, 3 filles, vous dit demain, papa, je vais faire la comédie, je vais être comédien, je vais être acteur de cinéma, vous lui dites, vous allez... Je vais lui dire, mon cher ami, ce que tu choisis là comme métier, c'est un métier trop difficile. Arrange-toi à ne pas le faire. Vous allez l'orienter vers quoi? Je vais l'orienter ailleurs. Il y a plusieurs actes dans lesquels on peut orienter l'enfant. Donnez-nous un seul.
Votre choix, le choix que vous pouvez orienter votre enfant vers ça, ce serait quoi? Moi, si j'ai un enfant, je peux l'accompagner à faire la restauration. La restauration? Oui. D'accord, pourquoi? Parce que là, l'argent ne cherche pas l'autre. Dès que tu manges, avant de manger, tu te fais servir. Et avant de te faire servir, tu as tout là en main. D'accord, ok. Merci beaucoup, Essola. Landry Ma nous a rejoint sur ce plateau, hein, notre peintre à nous de cette émission dimanche avec vous. Landry Ma, bonsoir, bon après-midi. Bonsoir, oui, ça va bien, Landry? Ça va. Nous revoici donc, hein, un autre dimanche et avec un autre invité, Essola Tadfo Salomon. Bonsoir, Essola. Bonsoir, Landry. Ça, c'est votre portrait en live. Hein. Ah! Vous pouvez retourner. Dimanche avec vous. Voilà. Equinox TV. Vous pouvez le montrer aux téléspectateurs. Hein? Voilà, comme ça. Voilà mon cadeau. Offert demain de maître par Landry. Landry Ma. Landry Mac. Oui, Landry Ma. Landry Man. Voilà. Landry voilà. Man. Ça vous plaît, cela? Ça me plaît, mais c'est moi-même. Je vais aller mettre chez moi. À Yaoundé, dans votre quartier là-bas, c'est quel quartier? Rappelez le nom du quartier. Balakat. Balakat, vous. Oui. Voilà. Et Obala? Obala, c'est l'une des villes que j'ai pu vivre, dans lesquelles je suis passé. Oui. Quand je faisais mon cours complémentaire. Voilà. L'actuel lycée d'Obala. Rappelons que vous vous exprimez en langue Oundo parfaitement, quand vous voulez. En fait, quand ça me plaît. Vous pouvez dire un mot aux populations d'Obala et de Yaoundé qui nous regardent. Ma soumine, ma conmine va. Voilà. Ma conmine va. Pour dire quoi? Vous avez dit quoi? Je les salue tous. Et les personnes qui vous regardent de Banganté, votre ville, votre village natal, vous leur dites quoi? Voilà, pour dire quoi? Traduction? Soyez en santé, portez-vous bien. Et en paix aussi, surtout. Et surtout, en paix. D'accord. Merci beaucoup Landry Mana, au merci nom de Essola qui est notre invité. On va se retrouver dimanche prochain avec un autre invité certainement, Landry. Oui, avec le même sourire. Hein? Alors, Essola. Merci Landry. Essola, vous allez reprendre la route tout à l'heure? Oui. Pour Yaoundé? Si ça... Tu sais ce que je t'ai dit le matin là. D'accord. Ça va. Donne-moi un petit bout de papier, papa. Ça va se gérer tout à l'heure. Calmez-vous, ça va s'arranger. Alors, un mot de fin, hein, vous avez votre fille qui vous regarde, qui vous a accompagné et qui avait très peur pour vous. Elle va être très contente de vous avoir vu maintenant. Oui. Voilà. Je crois, Olo, je viens, mais il se fait tard. Parce que si je pars maintenant, je risque d'arriver dans la nuit. Et ce n'est pas prudent dans notre quartier. Voilà. Je veux arriver demain matin. Tu comprends, non, Yalo? D'accord. Merci beaucoup, Essola Tamfo Salomon, de son véritable nom, de nous avoir... d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Beaucoup de courage à vous. Bonne continuation. Et j'espère que je serai encore une fois de plus appelé dans votre émission. Vous êtes chez vous ici et tout le plaisir est pour nous. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à toute la grande équipe conduite par Séverin Chouban. Dallas Tiana était avec nous. Cédric Chouna. Et la grande équipe du côté de Yaoundé, on a Rodrigue, Aïk Cyril et Donald Brice Kamga. Merci beaucoup. N'oubliez pas que le programme se poursuit sur Equinox Télévision. Rediffusion cette nuit à partir de 1h30. La rediffusion également, c'est le mardi à partir de 13h30. Au revoir et à dimanche prochain. Merci maman et à bientôt.